Allez, viens manger, viens. Viens. Voilà. Allez, viens manger. Voilà, tu vois, ça c'est bon. Alors là, les frelons asiatiques, oui, ils sont dangereux, effectivement. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de les embêter. Si vous ne les frappez pas et vous ne leur faites pas peur, les frelons asiatiques, vous pouvez constater que là, on en a un, vous voyez, qui est là, sur un bout de viande qu'on va donner au crocodile. Alors je lui dis, oui, non, non, mais viens manger, mon grand, viens, serre-toi. Vous voyez, je lui donne même mes doigts à goûter. Tu veux manger mes doigts? Goûte. Non, il n'en veut pas. Mais il ne cherche pas à m'agresser. Donc, il faut savoir que si je l'embête et si je l'agresse, qu'est-ce qui va arriver? Il va dégager des phéromones d'attaque et d'agression. Donc, à ce moment-là, il va prévenir les copains pour vous piquer. Et là, ça fait très mal et c'est très dangereux. Donc, si je vous envoie un, ce n'est pas la peine de courir ou de le frapper ou d'essayer de le tuer. Laissez-le faire. Il y a des pièges pour tuer ces animaux et de toute façon, ils vont disparaître naturellement parce que, il y a tout un système qui est en train de se mettre en route. Vous inquiétez pas, ils vont disparaître. Mais ne vous agressez pas, que ce soit les frelons français, les frelons asiatiques ou toutes les guêpes. Si vous ne les frappez pas, elles ne vous font rien. À bientôt.